Est-ce que DIM toujours existé dans nouveau contrat? Est-ce que DIM toujours existé dans nouveau contrat? Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimé, frère Maxime, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, bon Dieu, une fois de plus, entrez la caïnon dans le lieu très saint qui c'est esprit nous pour l'enseigner nous, pour le ban nous lumière sur la DIM, l'expression DIM, D-Y-M-E en français, D-I-M en créole. Donc la dîme qui a un pile problème, qui très mal enseigné, qui très mal prêché, égal c'est souli, n'a pas très direct, n'a pas très précis, et comme d'habitude et comme toujours, n'a cet esprit a ben nous référence biblique au travers de moi-même, clair pour qu'à comprendre. Donc tout le monde qui pas comprendre ça dîme de Dieu, pour comprendre ça le dit. Et tout le monde qui te comprend un peu, ou pour comprendre dans toute plénitude, dans toute intégralité. Donc mes amis, bon Dieu bénis nous. Quel que soit côté d'apte d'enseignement ça, un peu partout, et me déclarer sous la vie chaque monde qui apte d'enseignement ça, c'est pour Saint-Esprit, mon Dieu, ouvert intelligence, ouvert cœur, méthode disposée et disponible pour Saint-Esprit capable, ouvert l'esprit, ok? Ouvert grandement, humilité, mon Dieu, bah, ouais, méthode très humble pour qu'à comprendre ça dîme, tout ça qu'elle dit là. OK, nous pral faire parole bon Dieu parler. C'est parole bon Dieu qui a parlé parce que moun pas convainc moun, mais c'est la Bible qui convainc moun. C'est la Bible qui convainc moun, c'est la parole de Dieu même qui convainc moun selon 2 Timothée 3 verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre. Ça veut dire c'est la Bible qui convainc moun. Mes amis, mo dim ça ba problème parce que faux prophètes yo utilisent très mal, yo prêchent très mal. Et je ne sais pas, c'est ça qui fait un pile monde culpabiliser dim. Mais permettez-moi de dire ça. Dim, non, nous avons des problèmes dans le monde. La paix existait, la paix existait jusqu'à ce que Jésus tourne. Dim, non. Jusqu'à ce que Jésus tourne, dim, non, a existé. Pour le monde qui pensait, dim, pas existé encore. Maintenant, c'est qui ça, dim, non, veut dire? C'est qui ça, dim, veut dire? Moi, dim, non. Eh bien, attendez. La Bible, Jésus t'a parlé dans Matthieu 13, 35, il dit, il n'y a pas jamais ouvert bouche pour ne pas ouvrir la parabole. Est-ce que nous comprenons? Et dans Deutéronome 29, verset 29, parole bon Dieu dit, les choses cachées sont à dire, mais les choses révélées sont à nous, les chrétiens, les justes, les disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Et dans Jérémie 33, verset 3, pour montrer ou pas qu'à comprendre la Bible. Pourquoi? Bon Dieu a parlé, il dit, relève-le, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour comprendre la Bible, c'est cet esprit bon Dieu qui est pour faire comprendre. Et si cet esprit bon Dieu n'a pas ouvert l'esprit, on ne peut jamais comprendre la parole. On peut écrire noir sur blanc, selon Luc 24, verset 45, on ne peut jamais comprendre la Bible si cet esprit n'a pas ouvert l'esprit. Et monde qui l'a pour enseigner la parole de Dieu, les révélations bibliques sont don liées selon Matthieu 19, verset 11. Sous pas gain don ça, bon Dieu qui a ouvert l'esprit pour comprendre un passage biblique, mais moun qui gain don pour enseigner la parole, les révélations, eh bien, c'est toute la Bible nette, cet esprit bon Dieu, côté le côté l'idée, le deal, la balle, les révélations, pour la toujours faire provision pour lui, pour toujours enseigner la parole de Dieu, parce que c'est mission pâle. Sont don lié selon Matthieu 19, verset 11. Donc, si vous avez un don pour enseigner la parole, si vous avez un don docteur selon Ephésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, 28, ou pas qu'à chita pour prendre un bibou, et puis vous pensez que vous avez un passage qui est dans les deux, vous ne comprenez pas ça. Non. Parce que son don lié, c'est un don ministériel qui est le cinquième don selon Ephésiens 4, verset 11. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est le cinquième don. Maintenant, qu'est-ce que ça dit maintenant? Je l'ai dit. Donc, ces gens nous sont dit là, si enseignement pas domaine, pas entrer là-dedans, faut ou joindre chercher un monde qui a un don pour aider, comprendre passage biblique. Ça veut dire, sous son Moïse, ou son berger, ou son pasteur, faut toujours faire un jambon de bon Dieu pour le mettre un à un bon côté. Mandel pour le mettre
on a un bon côté comme associé pour le mettre, on a un côté comme un docteur de la parole qui a un langage et puis qui pour aider. D'accord? Donc, nous pourrons aller. Sinon, si c'est pour comprendre la Bible, même ça que tu es Satan, le diable, il est quoi niveau? Parce que nous sommes dans Matthieu 4, les Jésus finit de jeûner, le diable est venu tenter. Et puis, quand il y a l'alté, même fait le besoin de tenter papal, côté que le tape dit, et il a besoin de tenter papal. Nous songez, le somme 91 était très mal utilisé, passage dans le somme 91. Ok? Car il a donné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sous les mains de pierre que ton pied ne soit qu'une pierre. Nous songez ça. Il était très mal utilisé, passage à raison. Parce que Satan, le diable, lit contexte biblique, mais il pas contre la Bible. Qui l'a qui dit, il comprend la Bible. Pour comprendre la Bible, c'est cet esprit pour faire comprendre, parce que c'est lui-même qui écrit Raphaël. Ça veut dire, si vous n'avez pas un bon Dieu, ça fait un chrétien, un monde qui n'est pas chrétien, pas qu'à comprendre la Bible. Non. Il doit qu'on verset par cœur, mais ça ne veut pas dire comprendre la Bible, parce que la Bible, c'est révélation en même. Ce n'est pas texte solide, noir sur blanc, ce n'est pas la Bible. C'est révélation, ça caché. Maintenant, mon dîme, nous gagnons, l'autre dit, par exemple, on a parlé de dîme, c'est n'est pas la loi Moïse. Je tout dit nous en passant, Moïse n'a pas la loi. Moïse n'a jamais écrit loi. Selon 2 Timothée 3, 16 encore, il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire pas qu'on côté qui dit tout et qu'on partie dans l'écriture qui est inspirée de Moïse. Ça n'existe pas. OK? Et dans 2 Pierre 1:21 encore, c'est même pas là, il dit qu'on ça pas qu'on prophète ou que tu as parlé, c'est pas bon Dieu qui t'a inspiré ça pour dire. Pas qu'on prophète qui t'a parlé selon lui-même, ça n'existe pas. OK? Donc ça veut dire mes amis, il faut nous très 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 prudents. Et dans ce sens. Bon, nous allons dans le dîme. Nous ne pas entrer dans trop de détails pour comprendre. Parce que tu as plusieurs types de dîmes. Tu as 7 types de dîmes. Premier type de dîme, c'est la dîme d'Abel. Deuxième type de dîme, c'est la dîme d'Abraham. Troisième type de dîme, c'est la dîme de Jacob. Quatrième type de dîme, c'est la dîme du roi. Cinquième type de dîme, c'est la dîme de la loi. Sixième type de dîme, c'est la dîme de c'est la dîme comme salaire. Et septième type de dîme, c'est la dîme de Malachi. Je reprends. Tu as 7 types de dîme. Premier type de dîme. OK? Première catégorie de dîme. Premier type de dîme, première forme dîme, il était relé dîme d'Abel. Deuxième type de dîme, littéralement, dîme d'Abraham. Troisième, dîme de Jacob. Quatrième, dîme du roi. Cinquième, dîme de la loi. Sixième, dîme comme salaire. Et septième, dîme de Malachi. Mais nous ne pas entrer dans le détail, ça, qu'on y a. Même devait faire nous connaître le premier type de dîme, c'est dîme d'Abel. Donc, ça, c'était une prophétie. Son gros révélation. Premier type de dîme, c'est dîme d'Abel. C'est ce que les gens, sur la Bible, littéralement, on peut dire, mais non, il mentionne dîme dans Genèse 4:4. Il ne mentionne pas dîme, mais il mentionne offrande. Oui, parce que l'offrande est un ensemble. En dans offrande, ou abjoint en dans offrande qui c'est ensemble, ou abjoint en particulier, ça relie petite offrande, qui c'est en dans ensemble, qui c'est offrande là, oui. La grande offrande. En dans, ou jouen. Et comme élément, la petite offrande, ok? Et puis, deuxième type d'offrande, ou jeune encore, ou jeune dîme, qui sont type d'offrande. Et troisième type d'offrande encore, ou jeune ça relève la collecte, ok? Donc maintenant, pour dîme commencer depuis soit Abel, ok? Rivé et passé par Abraham, depuis avant la loi. Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, là, même pas entrer dans le détail, ça non, parce que si mal entré là-dedans, enseignement ça après le prendre à l'année pour 3 heures de temps. Nous pas entrer là-dedans. C'est même gentil, je vais dire, en dans la loi, tu as gagné plusieurs facettes en dans la loi. En dans la loi, tu joues plusieurs facettes, plusieurs phases en dans la loi. Ça veut dire, loi, en dans la loi, tu joues une facette, ou bien une phase, ou bien un contexte d'ombre. Il y a un contexte d'ombre, ça veut dire, il me dit ombre, ok? L'ombre des choses à venir. L'ombre, l'ombre, ça veut dire l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance, pas vrai?
Nous ne pas entrer dans le détail ça. Selon Hébreux 10, verset 1, Colossiens 2, verset 17, etc. Mais nous ne pas entrer dans le détail qu'on y a. Donc, je vais seulement voir 5 catégories, 5 et phases qui sont dans la loi. Ok? Première, il y a une phase d'ombre. Ok? Un contexte d'ombre. Deuxième, nan, c'est d'instruction. Troisième, nan, c'est pédagogue. Quatrième, nan, c'est et prophétie. Et cinquième, nan, c'est doctrine. Ok? Donc maintenant, il faut qu'on tout ça. Il faut maîtriser tout ça qu'on y a là pour qu'on ait ces dîmes pas exister. Bon, après ça, l'autre, ça nous parle pas encore. Selon Hébreux 1, verset 1, bon Dieu l'a parlé. Il est toujours caché, molli. Il utilise des synonymes et pour le révéler à petit lit. Selon Luc 10, verset 21. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu caché sans parole à moun qui met dans la tête, yo fort, yo intellectuel, yo ka comprendre la Bible pourquoi yo et li révéler parole li à petit bon Dieu qui mettait yo humble, qui mettait yo tant qu'un petit bébé, un petit nourrisson qui dans l'allaitement maternel et avait yo li révéler parole li qui caché. Ça veut dire qui ça? N'a prend exemple dans l'ancienne alliance et là nous pas commencer comprendre ça que dit n'a dit. Dans l'ancienne alliance par exemple. Ou après la ancienne alliance ou pas pour mot Christ écrit. Ou après l'ancienne alliance ou tu vois Messie ou pas toi Christ. Mais Messie ça qui synonyme dans nouvelle alliance Christ. Synonyme ni c'est Christ. Selon Jean chapitre 1, pas vrai? Synonyme Messie c'est Christ. OK? Et dans Jean 4 tout. Synonyme ni c'est Christ. Bon, maintenant, et n'a pas l'autre exemple encore. Le nom est dans l'ancienne alliance où est Josué. Où est Josué? Eh bien, Josué, c'est lui-même où est qui veut dire, ou vient qui veut dire Jésus dans la nouvelle alliance. Depuis Josué, eh bien, c'est Jésus qui symbolise, il veut dire, la nouvelle alliance. Ouais? Vous comprenez ça? En allant encore. N'a pas l'autre exemple encore. L'homme dans l'ancienne alliance, Aaron, il veut dire Christ, il symbolisait Christ encore. Aaron, qui était un souverain sacrificateur, abîmant tout bagay, c'est Christ qui symbolisait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, l'homme dit Aaron, c'est Christ qui symbolisait. L'homme dit Josué, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, cet esprit bon Dieu, pour qu'on ait révélation ça ou, pour jouer une révélation ça ou, faut mettre ton petit bébé, ou mettre pas qu'on a un devant bon Dieu, ou descendre à zéro à terre net, plate, pour cet esprit bon Dieu qui a révélé ou, parole qui est cachée, selon Luc 10, verset 21. Eh bien, c'est même genre, quand pilote exemple encore, mais ça aussi, c'est vient dans la tête, moi, bah nous yo. Et nous, quand prendre l'autre exemple encore, l'or est sabbat, dans l'ancienne alliance. Eh bien, dans la nouvelle alliance, le sabbat il va symboliser l'autre bagaille que Jésus-Christ, selon Hébreux 4. Hein? Selon Hébreux 4, verset 9. Il va symboliser l'autre bagaille que Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, il faut nous comprendre ça. Ça veut dire, bon Dieu, il utilisait des termes synonymiques, il utilisait des synonymes, il a parlé. Mais, pour comprendre ni fort pour comprendre le langage bon Dieu fort pour mettre tout à ton bébé faut pas mettre dans tête trop fort pas mettre dans tête tout à comprendre parole comme ça non parce que c'est pour science lié c'est révélation c'est pour révéler parole lié qui Raphaël est-ce que vous comprenez? Eh bien nous allons pour dim en arriver sur dim là ouais dim mais tout synonyme dim gagnien dim gagnien nous pas rentrer dans détail non mais m'a pas tout synonyme dim gagnien premier synonyme dim gagnien il gagne portion, il gagne possession, il gagne droit, il gagne nourriture, il gagne salaire.
Est-ce que nous avons tout synonyme d'imgé? D'imgé dit qui ça? D'imgé dit, l'imgé synonyme qui c'est portion, part, possession, nourriture, salaire. Est-ce que nous comprenons? Donc, ça veut dire, d'imgé, nous devons comprendre là, alors l'imgé dit ça, c'est au moins, oui. Au moins, oui. Ça veut dire, bon, moi, c'est ma bon plus synonyme. Dim veut dire portion. Synonyme dim, c'est portion, possession, part, nourriture, et salaire, et ligue tout, cob. Argent, cob, l'argent. Ok? Monnaie, on dit monnaie. Ok? Je reprends. Quelques synonymes dim, ma banola. Quelques synonymes dim. Je reprends. Dim, synonyme ni. Yon synonyme ni gen, c'est possession, par, portion, ok? Salaire, droit, même si j'ai droit, D-R-O-I-T, droit. Monnaie, nourriture, offrande, toutes ces synonymes dim. toutes ces synonymes dim. OK? Donc mes amis, là nous avons une idée. Dim a toujours existé jusqu'à ce que Jésus tourne. Bon, nous me dit nous pas rentrer dans trop de détails pour enseignement pas trop long, pas 3 heures de temps parce que me connais des monde qui pas gain temps. Me connais temps enseignement plus coûte, les plus bon pour en pile monde, majorité monde qui attendre surtout l'autre bord, mon yo, me connais nous pas gain temps. Donc et nous pas aller directement pour nous faire financement, pour nous résumer, pour comprendre. Nous allons directement dans Nombre chapitre 18. Dans Nombre 18. Nombre chapitre 18. Dans Nombre 18, nous allons directement. Nous avons verset 21 qui intéresse nous comprendre. Nous avons plusieurs versets qui intéressent nous. Mais nous allons aller dans Nombre 18, verset 31. Eh bien, dans tout contexte d'hymne, nous avons parlé dans Nombre 18, il y a un contexte salaire. Ok? D'hymne là, et il y a un contexte, alors la loi, dans tout type de loi, nous n'avons pas catégorie de loi. Yo. Ok? Nous sommes catégorie de loi. Yo. Loi d'Abel, Abraham, Jacob, du roi, ok? Et puis, ah, c'est dîme alors. Dîme d'Abel, dîme d'Abraham, dîme de Jacob, dîme du roi, dîme de la loi, etc. Ok? Dîme comme salaire. Nous songez ça. Bon, mais nous te dit pour loi tout. Loi, il y a plusieurs phases, contexte. Ok? Il y a un contexte ombre, il y a un contexte prophétie. Il y a un contexte pédagogue pour le mener à Christ, il y a un contexte instruction ou bien doctrine, et puis il y a un contexte exemple. Là, nous avons un contexte salaire. La loi comme salaire, elle a toujours existé. Ça, c'est dîme. Qui a un contexte salaire. Côté nous, je viens de dire qu'il y a un contexte salaire, ça, c'est bon Dieu, même qu'il a parlé dans Nombre chapitre 18. Là. Nombre chapitre 18, dîme là, il y a un contexte salaire. Contexte salaire. Salaire pour qui est-ce? Eh bien, salaire pour petit qui a fait service li, qui dans le ministère. Par exemple, le nom est Aaron avec 4 petits garçons. Qui ça nous connaît symboliser? C'est Aaron avec 4 petits garçons, oui. Qui vient de Ephésiens 4:11. Ça veut dire les 5 dons du ministère. Aaron 1 plus 4 petits garçons, il fait 5 qui étaient dans la sacrificature. Lors du sacrificature, il veut dire sacerdoce. Et lors du sacerdoce, synonyme encore, c'est quoi? C'est ministère, c'est enseignement. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire c'est un ou quatre petites lio qui pral accompli comme prophétie et dans Éphésiens 4 verset 11 qui c'est les cinq dons du ministère, à savoir apôtre, prophète, pasteur et évangéliste. Pasteur et docteur, je reprends. Apôtre, prophète,
évangéliste, pasteur et docteur. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, Aaron avec quatre petits garçons, c'est eux-mêmes qui étaient responsables de la sacrificature, le sacerdoce, le service sacerdotal, le ministère. Ok, nous t'es qu'à dire, je dis, de l'église, mais là, ça nous t'est parlé de temple d'assignation. On comprend, dans cette alliance, nous t'es parlé de temple de Jérusalem, etc. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'était l'ombre de la nouvelle alliance. C'était l'ombre des choses à venir, selon Colossiens 2, verset 17 et Hébreux 10, verset 1. Donc, maintenant, dit comme salaire, nous avons fait lecture dans Nombre 18, mais verset qui plus intéressé nous. Ok, nous même avons fait lecture pour moi, c'est verset 31. Il précise, bon Dieu, même qu'a parlé dans Nombre 18, verset 31, il précise qui ça. Il dit, dîmes, c'est qui ça lié? Eh bien, dîmes sont portion, dîmes sont possession, dîmes sont salaire. Ok, dans verset 31, il précise même dîmes, c'est salaire sacrificateur. C'est comme si, avec Lévite, c'est comme si je dis à là, alors il utilise le terme Lévite avec sacrificateur, est-ce que vous comprenez? Il utilise le terme là, mais dans l'ancienne alliance, même j'ai une ancienne alliance, c'était qu'on utilisait Messie, et puis qu'on y a une nouvelle alliance, on utilisait Christ, c'est même bagaille là. Même j'ai une ancienne alliance, pas vrai? Et nous t'es qu'on utilisé, par exemple, et Josué, et puis qui voulait dire, Jésus. Et qu'on dit sabbat, qui voulait dire Jésus. Vous comprenez? Aaron, qui symbolisait Christ, qui voulait dire Christ. Eh bien, c'est même Jean, oui. Là où est Lévite, où est sacrificateur. Ah, mais c'est eux-mêmes qui viennent à Pocho. C'est eux-mêmes qui viennent à Pocho, oui. Oui, les Lévites et les sacrificateurs. C'est eux-mêmes les 12 apôtres de Jésus-Christ, les 12 apôtres de l'agneau. Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, moun kap fè ou apwè konnen nou pral wè clair nou pral doucement nan Nombre 18 verset 31 bon Dieu dit dimnan OK dimnan sacrificateur yo la pou yo manje dimnan avec Lévite avec tout kayo a famille yo la pou yo manje dimnan est-ce que nous comprenons ça veut dire dimnan son nourriture liée. Et gen moun k'ap di konsa, men m kontan de gen moun k'ap di, gen prédicateur k'ap di dim c'est dim pa gen rapport à l'argent. Nou pral wè si pa gen rapport à l'argent, attendez. On dit dim pa gen rapport à l'argent, ça veut dire c'est seulement l'huile, mou, blé, pas vrai? C'est ça? Ah mais nou pral wè ça. Nou pral wè ça, attendez. Pas prendre pas étudier la Bible littéralement, pas prendre bagay yo littéralement. Nou pral wè li gen rapport à l'argent clair. Nou pral wè ça. Dans Nombre 18 verset 31, bon Dieu dit dimnan, c'est nourriture liée, c'est salaire lié. Pour sacrificateur à Lévite, manger à toute famille, à toute caillou. Maintenant, sans plus tarder, nous pourrons aller directement. Parole ça, nous pourrons aller directement, puis devant dans 1 Samuel chapitre 8. Nous pourrons aller dans 1 Samuel 8 verset 15. Dans 1 Samuel 8 verset 15, nous pourrons aller dimnan. Il y a un synonyme d'Abdi Notalia, nous pourrons aller, c'est ici, il dit droit, D-R-O-I-T. Donc c'est un droit, son droit lié. OK? Un droit yo c'est la dîme. Dans 1 Samuel dans 1 Samuel 8 verset 15. On fait lecture pour moi et dans 1 Samuel 8 verset 11 à 15. OK? Bon. Kounya là nous pral wè nous pral dans nouvelle alliance. Là nous rive dans nouvelle alliance kounya nous pral wè Jésus même qui c'est Dieu même Dieu ça qui t'a parlé en esprit dans Nombre 18 là même Dieu ça t'a parlé en esprit qui vient manifester en chair dans nouvelle alliance ou après même Dieu ça qui c'est Jésus-Christ ou après dans Matthieu 10 maintenant verset 9 et 10 il précise clair qui ça dit nan yé. C'est même parole ça qui était dans Nombre 18 verset 31. Ou après il dit apôtre disciple les l'a voyé à la mission dans Matthieu 10 la première mission l'a voyé il dit on pas prend ni or métal or là ni argent ça le dit encore ni monnaie ça c'est cob
Est-ce que nous là, pas prendre ni or, ni argent avec eux, pas besoin de la bagaille comme ça, ni monnaie, ok, ni sac, ni tunique, de tunique, souliers, etc. Bâton, vous pas besoin pour ça. Parce que qui ça? Parce que, il dit, l'ouvrier mérite son ça, son salaire. Est-ce que nous, ouais, c'est même parole ça, bon Dieu te dit, en esprit, Jésus te dit, en esprit, dans le nom 18-31. Vous songez ça? L'elle te dit, dîme, c'est salaire, les vitio avec sacrificateur. Ou ça le vient dire là? L'idiou, l'ouvrier a mérité salaire. Ok? Qu'on y a là, en marié, Matthieu 10 encore, même Jésus a encore parlé, dans Luc chapitre 10 encore. Ouais, dans Luc 10 encore, même Jésus a parlé, on apprend dans Luc 10 verset 7. Hein? On apprend dans verset 7. Ou allez, ou après, même parole encore, hein? Jésus répétait, même ça le dit, dans nom 18-31, en esprit, ou après, elle reprend même parole ça encore, ouais, ou allez, dîme dans là encore, les lapvoyer monsieur dans la mission encore dans Luc 10 ça. Alors, là, c'est 70, hein, dans Luc 10 ça, c'est les 70 disciples. Ou après, là encore, qui ça le dit, il dit même bagaille là encore, il dit, oh, pas prendre rien, parce que, l'ouvrier mérite son salaire. Même parole, il te dit dans le nombre 18-31. Ça veut dire là, c'est la dîme comme salaire. Ça veut dire, ou est dîme n'a pas un rapport à quoi? Ça nous est. Oui. Ou même l'autre dit dîme n'a pas un rapport à quoi? Pour prédicateur Kabzil. Ou parler de l'ancienne alliance. Mais songez l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Songez l'ancienne alliance, c'est la pédagogie qui mène nous à Jésus-Christ, qui mène nous à Christ là dans la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance, autrement dit, nombre 18-31, c'est lui-même qui mène nous à Matthieu 10 et Luc 10 de la Nouvelle Alliance. Pas vrai? Donc, ça a clair. Faut ne pas oublier ça, non? L'ancienne alliance, c'est l'ombre de la Nouvelle Alliance. C'est le pédagogue de la Nouvelle Alliance. C'est la prophétie, ok, de la Nouvelle Alliance. L'ancienne alliance, c'est la prophétie de la nouvelle alliance. Donc, mes amis, ça a très clair, pas vrai? C'est très clair. Jésus, en tant que chair, reprend toute saleté dit en tant qu'esprit dans nombre 18, verset 31. Ça veut dire, dans Matthieu 10 et Luc 10, hein, nous monnaie, entrer dans dîme là. OK? Donc nous avons même bagaille là. Eh bien, c'est même dit nombre 18 verset 31 ça a tout apôtre Paul te lit, il te fait lecture ça. Qui faut apôtre Paul dans attendez bien oui? Apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 4. Il dit n'avons-nous pas le droit? C'est même mot droit ça, apôtre Paul te joigne, attendez oui, plus précisément dans 1 Samuel 8 là oui, verset 11 à 15 là. Où il dit n'avons-nous pas le droit de manger, de boire? C'est même parole ça, ouais, droit c'est une synonyme dîme, pas vrai? Ça veut dire ou pas obligé ouais même mot dîme dans la nouvelle alliance. Sinon amen, il pas après les révélations. Il pas après les révélations. Ou pas obligé ouais même mot dîme là. Ou pas obligé ouais même mot Jésus dans cette alliance. Pour dire tu gagne Jésus. Non. Mais des pour Messie, c'est Jésus lui dit dans cette alliance ça. Des pour Josué. C'est il symbolise Jésus. Des pour Aaron, il symbolise Christ là tout. Ou pas besoin ouais moi même exactement. C'est pas science liée. Est-ce que nous comprenons? C'est révélation. Nous comprenons? Oui? Donc ça veut dire qui ça? Apôtre Paul connaît un synonyme dîme, c'est droit, c'est ça fait le pari pour te mot dîme. C'est oh, les moun y a parlé, les théologiens a parlé au konn fò konnen, ou yo pa wè mot dîme dans nouvelle alliance. Oh bon Dieu papa. Ça veut dire ouais, 1 Corinthiens 9 verset 4, apôtre Paul dit n'avons-nous pas le droit de manger et de boire. Ça veut dire apôtre Paul t'es fait lecture dans
Nombre 18, verset 31. Et 1 Samuel 8, verset 11 à 15, fait lecture pour moi. Et plus bas dans même 1 Corinthiens 9, là, verset. Nous ne pouvons pas saisir ça. Dans 1 Corinthiens 9, verset 13 et 14, plus bas. Dans même 1 Corinthiens 9, là. Ou fini verset 4, il utilise le thème droit. Et puis plus bas dans verset 13 et 14, ou après apôtre Paul, là, pour reprendre parole qui était dans le nombre 18, verset 31. Là, il dit même Jean. Même un sacrificateur, Lévitio, te gen do, qui t'a servi sous l'hôtel là, te gen do pour yo manger, pour yo boire, te gen do un salaire là, et ben il disait même j'ai mon nom, même tout moi gen do ça. Non, 1 Corinthiens 9 verset 13 et 14. Est-ce que nous ouais? Est-ce que nous est lien? Nous est lien? Ça veut dire là, la loi comme salaire là. Dim comme ça l'air là, loi ça, il était dans phase qui ça, dans phase pédagogique là, ça veut dire il menait à Christ. Et il y a phase prophétique là tout parce que prophétie a vient accompli là. Prophétie nombre 18 verset 31 vient accompli non 1 Corinthiens 9 verset 13 et 14. Mes amis. Ay, moi, j'aime l'enseignement de la parole, j'aime Jésus-Christ. Oh, je t'embrasse, Jésus. Je t'embrasse très fort. Waouh. Waouh. La saine doctrine est intéressante. Et c'est ça que fait, c'est pas tout le monde qui attendait. Ou après, même sous groupe l'Église Jésus-Christ, sous groupe l'école de Dieu en Jésus-Christ, ou après, il y a des gens qui aiment, depuis le commencement, mais bon côté de l'univers, mes amis, bon côté de l'univers, pas qu'à aiment encore. Parce que l'enseignement de la saine doctrine, ce n'est pas tout le monde qui a supporté, c'est ça la Bible dit. C'est ça Timothée dit, oui. C'est ça Saint-Esprit dit, oui, à travers Timothée. Ce n'est pas tout le monde qui a supporté. Donc, mes amis, si nous avons bien regardé, nous avons apôtre Paul, même parole qui était dans Proverbe, dans Nombre 18, verset 31, c'est même lui-même apôtre Paul, il reprend dans 1 Corinthiens 9, verset 13 et 14. Est-ce que nous comprenons? Donc, Konya, bon, l'autre précision, on connaît Napton même là. Est-ce que Dim le dit dixième partie? Dim te signifie dixième partie dans la loi doctrinale. Oui, dans la loi doctrinale, dans la loi instructive, une phase loyale. Il te signifie dixième partie. Par exemple, là, aller dans Lévitique 27, si je ne me trompe pas, dans Lévitique 27, ou après, la dani, et dans principe doctrinal là, hein, parole bon Dieu te dit, c'est ce bon Dieu te dit, si on moun manke, dans dim bon Dieu, ou retire, ou prêter la dan, là, ou après, mettre comme si son risque tout est fait, ou après, ajouter un cinquième. Ça veut dire, non seulement là, on met 10e là et puis la vin on met ton 5e qui vient 15e, on 15e, la vin 15. OK? Au lieu de 10%, la vin 15%. Sou manquer prêter là dedans. Avait dit, on pas de cas manger dans 10 bon Dieu, on pas de cas utiliser le. Ça, c'est la loi doctrinale. Pas vrai? C'est la loi instructive qui pas existe encore, même Jean loi et même Jean dim dim Malachie dans Malachie 3:10 dim ça va exister encore. Est-ce que nous comprenons? Dim ça va exister encore, mais dans Nombre 18:31 dim ça c'est la dim comme salaire, ça peut exister jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que Jean apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9 verset 13 et 14 là, si j'ai cet esprit de dire à travers bouche apôtre Paul là, moun kap et alors il bien dit oui, apôtre Paul pas parler de non parler dans nom Jésus, dans nom bon Dieu. Il dit même Jean tout Seigneur passer l'ordre moun kap travaille dans l'évangile, kap fait service bon Dieu, travaille bon Dieu, et bien il doit vivre de l'évangile là, oui, dans 1 Corinthiens 9 verset 14. 1 Corinthiens 9, verset 14. Où il doit vivre de l'évangile là. Galates 6, verset 6. Bon, mes amis,
Si yon moun tap fè travay bon Dieu et puis li pa gen l'autre ressource, comment tap fè vivre si dim pa existé? Attention. Kounya la, mes grandes questions, nous tout attend là dans bouche moi pour nous terminer. Nous besoin connait est-ce que gain a fait 10% pour retirer, ça coûte chaque corps ou gain dans mon pour retirer 10% la donne. Par exemple, si j'ai $100 pour retirer $10, si j'ai $200 pour retirer $20, si j'ai $1000 pour retirer $100, pas vrai? C'est ça n'attend et ça nous besoin connait. Non. Non, nan dim comme salaire, pas gain ça. Nan dim comme salaire, dim nan veut dire tout simplement portion, il veut dire part, il veut dire possession, il veut dire nourriture, manger, boire, tout simplement. Ça veut dire qui ça? Ah ben, on va le joindre ça, konya, nous va le joindre dans 2 Corinthiens 9 konya verset 6. Dans 2 Corinthiens 9 verset 6, l'abdou qui ça? Eh bien, tant dim ou pi gwo, c'est tant tout bon Dieu a béni poche ou plus, l'a béni canet banque ou plus. Est-ce que vous comprenez? Tant dim nan pi gras, c'est ça veut dire bon dit d'une autre façon. Tant parti pour la part pour la portion pour la pi gras, tant nourriture bail. Vous comprenez? Ou bail petit bon Dieu qui a fait service pour lui, qui a travaillé pour lui. Les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Tant nourriture baio wa, dimon baio pour vivre là. Li pi gra, c'est tant que bon Dieu a béni kayou plus tout, la béni réfrigérateur plus, frigidaire, autrement dit, couramment parlé et communément appelé, la béni frigidaire plus, la béni friseur plus, la béni canette banque plus, la béni cuisine plus. La fait plus provision alimentaire pour dans cuisine la caillou. Est-ce que vous comprenez? Mais a fait pour compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chaque montant comme rentrer dans mon an, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas du tout, il n'a pas jamais existé parce qu'il t'est existé seulement pour seulement pour les fruits de la terre. Est-ce que vous comprenez? Blé, moule, l'huile, et gros et petit bétail, etc. Est-ce que nous comprenons? Donc, maintenant dans la nouvelle alliance, dîme a toujours existé, mais ce n'est pas calcul mathématique pour nous faire, parce que ça, c'est théologique. Ce n'est pas calcul mathématique. Ça veut dire que vous avez $10,000 dans le monde, vous n'avez pas besoin de calculer pour dire $10,000, c'est $1,000 qui n'est pas pour là dedans. Non, ce n'est pas comme ça. $10,000, ou ka bay $1,000, ka bay $2,000, ka bay $3,000, ka bay tout $10,000 tout. Mais selon 2 Corinthiens 9 verset 6, tant qu'on bay plus kob nan dim nan nan portion bay la, et en baisse tant poche wa béni plus selon 2 Corinthiens 9 verset 6. Mes amis, mon quoi nous toutes les sur ça. Nous toutes les qu'on y a soit fait dim nan, pas vrai? Nous toutes les sous causer dim. Dim nan toujours existé, mais elle pas obligé dit pour contrôler, pour prendre montant, pour prendre un et dixième, pour multiplier par montant. On va obligé de faire ça. Ça, c'est mathématique. Ça n'existe plus. Vous comprenez? Mais dîme n'a toujours existé. Donc, la dîme, li obligatoire. Li obligatoire. Ça veut dire, n'importe ça qui entre dans le monde, ou supposé béni assemblé ou avec. Ça, c'est dîme. Eh bien, qu'on y a là, ou gon l'autre bagaille qu'on y a là qui est très important pour connaître tout. OK? Dimnan ou pas obligé baili dans l'église ou seulement. Non, soit visitons l'autre église ou ka baili parce que c'est même travail bon Dieu qui a fait. Sou voyage ou allons l'autre pays ou ka baili. Donc, la paix bon Dieu avec nous. À demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye.